Donc là, on joue le contraire de ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que on met toutes les syncopes sur la charlet et des contre-champs de croche entre la ride et la caisse claire. Toujours avec la grosse caisse sur l'étang. C'est un peu moins groove, mais en tout cas, on peut s'en servir et il faut savoir faire dans les deux sens. Donc, encore une fois, on peut commencer à se lancer entre la ride et la charlet. Et on enlève la main droite, c'est ça le plus dur. De garder la grosse caisse quand ça va lentement, c'est pas facile, bizarrement, sur les noirs. Ok. C'est parti.